Wombo, c'est chaud. Quand vous parlez, toi, des réseaux sociaux, non, c'est le vrai tour entre Dorcas et son général Thérèse Tchamaleu. Ça cuit, ça tac au point que, maman, voilà qu'on apprend que oh, le mari de Mme Dorcas aussi, lui aussi, il a fait les enfants en désordre. Sans compter aussi que Mme Dorcas aussi a bien fait le portrait de Thérèse Tchamaleu. En tout cas, la famille, écoutez vous-même et restez scotché. Maman des enfants de Monsieur Max dans la couépouse de Dorcas. La épouse de mon ex-patronne. Celle que vous appelez, je pense, c'est Lofombo, non? Lofombo, je pense. Pardon, il faut parler dans le téléphone, je l'entends. Amine, vous dites quoi? Je suis en train de dire ceci. Moi, c'est Oui. Vanessa, la maman des enfants de Monsieur Max. Oui. Oui, Vous les mariez. Vas-y, parle, maman, parle. Vous les... Je suis la maman de ses enfants. Monsieur Max n'est pas marié à Lofombo et il n'est pas aussi marié à moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes même chose. Et Lofombo, je pense, elle n'a aucun enfant avec Monsieur Max. Le seul enfant qu'il avait avec Monsieur Max, c'est celui qui est décédé là, je pense. Et les deux autres, je pense qu'elle est venue avec ces deux filles-là. Maman, Donc, attends, attends. Donc l'enfant qui est en train de pleurer, c'est l'enfant de qui? oui, c'est l'enfant de Monsieur Max. Je pense à. L'enfant à quel âge? Il y a 2 ans, il y a 1 an et il y a 3 mois. Donc, À qui? oui. Je viens au Cameroun de temps en temps. En fait, moi, je ne vis pas au Cameroun. Je OK. vis aux États-Unis, oui. Donc, ça fait 5 ans que je connais Monsieur Max. OK. Et puis, je savais quand même qu'il était avec quelqu'un. Il me disait qu'il était avec une femme. Donc, je ne sais pas la raison pour laquelle. Il me disait toujours qu'il ne voulait pas se séparer d'elle parce que je pense que c'est elle qui finançait, si je peux dire ça comme ça. OK. Vous voyez les gens, je pense qu'ils se sentaient tellement bien avec moi, puisqu'avec sa femme, il disait qu'elle était très sale. Est-ce que je ne sais pas si je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais. Mamie, tu peux parler. Bonjour, je suis venue pour t'accueillir. Ma bienvenue, prends la chaise. OK. Oui, comme je disais tantôt, Lofombo est une femme très sale. D'après son mari, il disait elle ne se brosse pas les dents, elle n'aime pas, elle ne se lave pas, elle ne prend pas soin d'elle et tout. Donc, il était mal à l'aise avec elle. Du coup, avec moi, il se sentait tellement bien. Vous voyez un peu? On a vécu comme ça ensemble pendant plus de 5 ans. Vous voyez un peu? Et puis, quand je suis tombée enceinte de nos premiers enfants, mon chéri, une relation. En fait, j'ai vécu ma relation avec Monsieur Max. Ça fait plus de 5 ans. Donc, quand je suis tombée enceinte de notre premier enfant, Monsieur Max a décidé que je devais aller accoucher aux États-Unis. Donc, il a Ok, donc financé tout. toi-même tu es aux États-Unis, Oui, toi-même tu es ici aux États-Unis. même chose aux États-Unis. Je viens au Cameroun, pas chez tout le temps. Je viens au Cameroun parce que j'ai accouché. Donc, le bébé, il est encore bébé, mais bon, c'est pourquoi je suis là. Donc, chaque temps, je viens, je tombe enceinte et puis je reviens. Avant, j'étais au pays. Donc, c'est quand j'ai conçu de notre premier enfant qu'il a décidé que il fallait que je vienne accoucher ici. Eh bien, attends, tu viens accoucher. Donc, attends, c'est quand tu es allé au pays que tu l'as connu, mais tu t'es installé au pays Non, avant de le connaître. j'étais installée au pays avant de le connaître. C'est lui qui a tout financé. C'est lui qui m'a envoyée ici. C'est lui qui a tout financé en fait. Sa femme ne pouvait plus faire d'enfant. Donc, je pense qu'elle est déjà ménopausée. Non, mais elle a 38 ans, comment ménopauser? Elle a 38 Attends ans. ma fille. Attends 38 ans? ma fille. Oui, elle dit qu'elle a 38 ans. Oh, mais cette vieille Ma femme que je fille, vois. ça veut dire que, si je comprends bien, Dorcas finance chez lui, monsieur Oui, Max, en toi, il fait, c'est finance chez Dorcas toi. qui finance. C'est Dorcas qui finance. Donc, il me l'a toujours dit comme ça. Il ne peut pas se séparer d'elle comme ça. Et bon, pour dire vrai aussi, moi, ça m'arrangeait. Hein. Du moment où il prend soin de moi, du moment où c'est lui qui s'occupe de moi, des enfants. Et puis, je suis aux États-Unis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, du coup, je n'avais pas de problème avec ça. Bien. Mais le problème, c'est que dans chaque fois, mais il est déjà venu aux États-Unis, mais ça se passe comment entre vous? Moi, je viens aux États-Unis. Pardon, moi, je viens au Cameroun. Je OK. viens, je pars, je viens, je pars. Actuellement, je suis là parce que j'ai accouché. OK. Oui. Mais mes enfants, eux, ils restent ici. Donc, eux, ils restent ici. Et Moi, je lui, fais juste les il est déjà allers-retours. venu, lui, il est déjà Non, venu, non, il est déjà venu. il n'est jamais venu. Mais Oh. alors l'argent pour financer tes billets d'avion, ton lifestyle et il prend l'argent où? Je vous ai dit tantôt, c'est sa femme qui se charge de tout cela. C'est elle. Vous voyez, parce qu'elle supplie le mariage, en fait. Juste d'après ce que son mari me dit, c'est une femme, je vous dis, c'est une femme très sale. Il faut voir la manière dont Monsieur Max parle d'elle, mon Dieu. Elle est tellement sale, elle est tellement nulle. Moi, je pense que c'est juste sa machine à faire argent. Hein. Je pense juste. Parce que vous voyez, même au lit, le monsieur se plaint. Elle ne sait faire qu'une seule position. Elle se couche, elle écarte juste les pieds comme ça.
Vous voyez un peu, maman. Pourtant avec moi, il ressent des sensations fortes. Si, je ne crois pas trop. Mais je ne peux pas vous mentir, je suis désolée, madame, je ne gagne rien à mon temps. Je vous comprends, mais je suis aussi, je vous dis. Mais c'est qu'elle a dit de raconter de moi aussi là-bas. Tu es parti lui dire qu'elle manque là-bas. Pardon, elle est venue, je ne la connais même pas, elle est montée. Laisse-la s'exprimer. On prend ce qui vient. On dit c'est quand. Ça sort comme ça sort. Je peux vous montrer les preuves. Je vous ai dit que mon nom, c'est Vanessa. Je pense que cette Dorcas, alias Lofombola, a déjà entendu parler de moi. Je ne me cache pas. Mon nom, c'est Vanessa. Il faudra lui dire que je pense que si elle est dans le live, elle saura qui je suis. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je suis la maman des enfants à Monsieur Max. Bon, est-ce que et les enfants qu'elle avait pas, Max? Elle est venue avec les deux filles-là en mariage. Le seul enfant que M. Marx avait avec elle, c'était son fils-là, je pense. OK. Oui. Donc, les deux autres filles, elle est venue avec les deux autres filles-là en mariage. Et déjà, ils ne sont même pas mariés. Ils sont juste, si je peux dire ça comme ça, en concubinage. Ils ne sont pas mariés légalement. Non, ils ne sont pas mariés légalement. Je vous assure que M. Marx souffre dans ce mariage. Monsieur Max ne dort plus avec elle dans la chambre. Et où elle est là, comme elle est là, Monsieur Max est obligé de dormir au salon parce qu'elle ronfle, elle a une mauvaise allure, comme je vous ai dit tantôt. Elle ne se lave pas. Elle est tellement désagréable. Arrêtez de demander les preuves ici. Arrêtez de demander les preuves, OK? Arrêtez de demander les preuves ici. Parce que quand on raconte les choses, vous n'allez pas là-bas demander les preuves. Arrêtez de demander les preuves. Parce qu'elle a arrêté de raconter, nous arrange. Arrêtez de demander les preuves. Tu as raison, je ne demande plus moi. Tu as raison. Donc, non, je ne parle pas à ta maman, je parle à ceux qui écrivent là. Elle ne manque pas. Parce que tu vis ici là. Je ne vis pas ici là en tant que. En fait, je ne suis pas ici là. Qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire, moi, je suis juste de passage. Je viens, je pars. Et qu'est-ce que vous voulez connaître en anglais? Je peux dire quelques mots, ça dépend de ce que vous voulez. C'est santé. Dis que tu es la mère des enfants de part. Dis comme ça. You are. I'm the mother child Max. Ok. C'est vrai ce que tu dis alors. Oui, I'm the mother child Max. Yes. Ok. Yeah. Yeah. Ah. Donc, alors, tu dis quoi de plus? Alors, tu es la mère de ses enfants. Vous avez trois. Ils sont quoi les trois garçons? Yo, alors que tu n'es même pas citoyenne américaine. Alors que là où j'en suis. Titi! La vraie guerre, le vrai tout! Le vrai tout! Le vrai tout! Tu travailles dans les sociétés de sécurité. On t'envoie aller balayer là. Je te dis que maman Siri, des endroits. Maman Siri, tu travailles. Tu travailles. Seigneur. Au Congrès américain. Seigneur. Tu es citoyen américain. Hein? Non, Angassi, papa, comme ça, là. Je te jure, ange divine. Ange divine, ça que tu dis seulement comme ça. Jamais. Quand ton cas est en train de faire un live qu'elle soutient la reine galloise, tu as commencé à m'insulter dans le live. Ouais, ouais. Ma Didi, elle sait. Bonjour, Didi. Bonjour, Didi. Pour écouter mon live et écouter ce que j'étais en train de dire. Hey! Le pasto. Le pasto. Chamale n'est pas américaine. Pasto. C'est dans le panel, tu les as laissé m'insulter. Chamale n'est pas américaine. Okay. Parce que avant de jouer la victime, c'est toi qui commences à m'insulter. Ah bon, elle doit être quoi? Je vais vous dénoncer que je soutiens la reine galloise et que je me dissociais de toutes tes actions. Ouh, ouh. Voilà, tu as commencé à m'insulter dans le live. Avec tous tes acolytes, je ne t'avais même pas encore insulté. Oui. Même on t'a rapatrié de l'Angleterre, Chamale. Tu veux que je te donne le sang pour qu'on t'a rapatrié de l'Angleterre? J'attends ta prochaine sortie. Je vais venir dire à mon autre vision pourquoi on t'a rapatrié de l'Angleterre. Parce que les gens te connaissent en Angleterre. Les gens connaissent comment on t'a rapatrié de l'Angleterre. Comment tu as atterri, dans quelles conditions tu as atterri à l'aéroport à Douala. Chamale, tu m'attaques. Insiste-toi, ça que tu insultes le nom de ta maman. Et tu laisses salir le nom de ta maman sur Meta. Tu dis que le blogging, quand tu fais avec le clash, on va fouiller dans ta vie. Tu as dit, oh, ils vont fouiller, ils vont trouver quoi? J'ai une vie propre. Tu es sûr que tu as une vie propre. Donc c'est pour toi qui va sortir. Il n'y a plus rien qui peut sortir sur moi. Tout ce qui va sortir sur moi, c'est le réchauffer. Parce que s'il y avait n'importe quoi, c'est que les Lolomayens ont sorti ça depuis. S'il y avait n'importe quoi, les Abeilles ont sorti ça depuis. Donc pour moi, là, ça va être le réchauffer. Mais pour toi, ça va être le show que les gens vont vouloir écouter. On va servir ça aux gens. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Si tu connais que ta famille est clean, si tu connais que ta vie est clean comme ça, là, allons. Allons, prenons la route. Si tu connais que ta vie est clean, prenons la route. On va sortir le fax de ta mère, ton père,
tes frères, tes soeurs, toute ta famille sur Meta. Et on va tarder ta mère sur ça. Tu vas confiner le corps. Quelqu'un ira dire à ta mère, chez toi, que voilà ta fille sur Facebook, ton nom est en train, comment on a fait la mère de Nketcha. Tu as amené ta mère sur Meta, non? Tu n'as pas encore fini d'amener ta mère. Tu vas amener ta mère. Et le jour que tu vas toucher un autre niveau, je vais te dire ce qui était dans le voice, ce que ta mère m'avait fait écouter, tu sauras que je ne manque pas. Tu sauras que je ne manque pas. Tu as compris? Parce que quand vous attaquez aux gens, mon seul problème, c'est parce qu'elle t'a demandé que arrête de t'attaquer aux enfants malades. Tu insultes tout le monde. Tu ne peux pas t'attaquer à une Asda qui s'occupe des enfants malades. Tu as décidé que tu t'inquiètes quand tu vas me laver. Moi, j'ai pas peur, maman. Hein? C'est toi qui te cherches encore dans la vie. C'est toi qui te cherches. Tu as mal. Vraiment, de Dieu. Donc, tu étais là comme ça, tu te débrouillais seulement. Et tu étais là en train de vouloir me montrer que tu es une comptine à des femmes, tu prenais ton petit salaire. Je ne crache pas sur ça. Hein. Mais je veux comprendre. Je ne crache pas sur ça. Je n'ai jamais craché sur quelque chose que quelqu'un m'a donné. Pourquoi tu es comme ça là? C'est quoi ça? On m'a dit que tu as pris ça de ta maman. Que ta maman était typique comme toi. Et toi-même, tu me l'as dit. Que ta maman était comme ça là. Que tu as pris ça d'elle. Mais à un moment donné, tu dois arrêter. À un moment donné, tu peux te calmer. Oui. Tu es sûr que tu vas gagner le combat? Le problème des TKC, est-ce que nous sommes des TKC? Alors que c'est une parole venait dans mes directs tranquillement, hein, parfois mes directs me disent pas parce que c'est vrai que c'est ta peau. Effectivement, elle parle de la personne comme Sidi Makop. Avec tout ça, comme ça, la Sidi Makop, elle est dépassée. Oui. Qui va faire? Effectivement, tu vas passer les maths. Détaché, maman. Je ne pense pas que tu vas bien, tu vas voir les problèmes tout le monde sur Facebook. Pourquoi? De quoi? C'est le fait que tu perds sur tout Facebook. Makop, elle est rien, tu es là. Quand tu savais bien dire qu'elle voulait que vous combattez ensemble, on combat quoi sur Facebook? Pourquoi tu dois dire aux gens de combattre? C'est la dame qui est venue là, c'est une TK où elle est venue parler là. Quand elle est là, quand elle insulte les gens là-bas, tu es là-bas, tu les dis tu parles de décès, ils ne vont pas insulter. On est donc elle ne laisse rien. Donc elle ne laisse rien. Quand elle reçoit quelle compression, avec quelle compression sur mes filles? Parce qu'elle connaît qu'une personne qui a la facilité d'insulter, on va l'insulter demain. Maman, je te suis pas en compression, ça n'est pas autre. Je te crois que la compression est bête. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que les insultes. Le jour, elle va, tu crois qu'elle va nous faire compresser? Tu crois que compresser est ça? Ne laisse pas, maman, il faut la traiter. Nous sommes avec elle, il faut la traiter. Il faut que tu la montres, tu lui montres que c'est toi la patronne. Comment ils lavent les gens dans le noir là-bas? Comment ils lavent les gens dans le noir? Donc, on a un visage de divin. Donc, je laisse les gens. Ok, maman. Je te soutiens. Je te soutiens. Je monte et t'aide dans la lave. Oh, merde. Une personne qui les nécessite, les containers. Alors qu'elle n'a pas permis le travail. Containers, à ce moment-là. Containers dans le vide. Containers dans le vide. D'accord. Moi, donc, je vais te dire que la fessée, tu es à 100%, tu es à 100% top sur ça. Parce que quand Tiamapo est sorti ici, laver la merde de Komamogo. J'étais interpellé, j'ai fait les directs. Écoute, j'ai appelé Thérèse Tchamalo. Je lui ai dit que moi, les mamans et les enfants, je dis non. Comment on passe? Mais quand c'était mon général, je ne pouvais pas venir le déposer en public. Mais quand la goutte d'eau a déposé le vent, j'ai dit que non, je la dépose en public. Parce que j'ai parlé fatiguant, non. Comment on passe? Oui. Quand tu vois que, même si tu n'es pas en bonne relation avec, comment on l'appelle, pasteur supérieur ou bien Coco Kouito, une femme déjà, comme ce que tu appelles général, une femme qui laisse sa famille, qui prend les enfants des gens, tu sors sur Facebook comme tu es sorti sur Mbunkena, dis que Tchamal est venu sur Facebook. Si elle travaille en tant que mon général, elle doit suivre mes instructions. Mais comme elle ne suit pas mes instructions, les dégâts qu'elle va commettre dans les réseaux sociaux, je me dédouane d'elle, je ne suis pas là. Là, tout le monde voit que Madoka, tu n'es pas d'accord de la saleté. Plusieurs fois, j'ai fait les sorties. Et mes sorties ont été stratégiques. J'ai dit ceci, voici mes cibles. La nombre de témoins. Je suis sorti, j'ai dit que voici mes cibles. J'ai cité dans mes cibles. Oui, je me rappelle. J'étais en guerre avec Lolo. J'ai dit que ma cible, c'est Lolo. Ma cible, c'est Dekomamugu. Ma cible, c'est... Les gens ne vont pas être pour tout. Tu fais les gens. Oh, ceci, cela. Elle prend une maman qui n'a rien à faire dans Facebook. Elle commence à insulter avec les buveurs de tonton, les buveurs de Bilibili, en fait dans ses directs. Pour commencer à insulter les mères de famille qui ne lui ont rien fait. C'était monsieur, mais ça m'a donné que c'est lui qui m'a rentré dans le podcast. Est-ce que c'est on est là pour insulter tout le monde? Je me dis, dès qu'elle est partout pour ouvrir la bouche à Thérèse Tchamalo, Thérèse est venue dire pourquoi elle vient mettre ça des bosses? Pourquoi Sylvie va lui tuer les gens qu'elle va insulter? Hein? Que Sylvie est qui? Qu'elle ne vient plus faire ça dans son blog? Sinon, je vais la laver, j'ai dit que pardon, maman. Je crois que si on est en groupe, on a le droit de se
faisait les conseils. On a le droit de se donner des avis. Elle avait un problème avec Céline Macron. Si c'était un voyage, je lui donnais toute attention. Elle avait été une jalousie maudite. Alors, tu as fabriqué aujourd'hui, tu dois te fabriquer. C'est où j'aime Fleur de Lys, hein? C'est où j'adore Fleur de Lys. Elle vous défabrique, elle n'est pas dans le Fleur de Lys est forte dans sa défabrication. On se vit en tout. Tu sens du comme les déchets du maïs. Tu frappes ça fort. C'est de ça qu'il s'agit. N'aie pas pitié. N'aie pas pitié de cet élément. On va voir entre elle et moi qui sera plus saliste. Au général de compression, on va lui donner le jardin. Je ne sais pas comment ça. Elle est en général, tout le monde va comment. Elle dit qu'elle a tapé un manque vraiment, elle manque beaucoup. Elle dit qu'elle a dit tu viens d'avoir le direct, c'est grave. Le direct, les mensonges qui sortent là-dessus. Oh non. Oui, que j'ai eu la chair de poule. Non, voilà une bonne partie à couper ici. Là. Je ne serai pas là. Je rentre de la bouche. Avec un bruit. C'est ce que tu as dit. Mais tu vas rester. C'est ça qui s'agit de ma dream club. Je vais sortir avec Bororo. Bororo. Tous les pays du monde, en dehors des pays qui ont les règles de parler, les pays des Arabes. Elle, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Mais exactement, ma dream club. Je peux parler. Walking permit. Walking permit. Après 26 ans de ce genre de règles. Mais je m'attaque à une vieille peau qui a décidé qu'elle va s'attaquer aux enfants, qu'elle n'a pas de limite. Donc il faut désamorcer cette. Désamorcer ton vrai visage. Aux yeux du monde. Dis ton vrai nom. On va filmer là où elle habite. Comme ça, filmez avec moi. Je vais m'en aller à celui qui vient. On va filmer là où elle habite. On va savoir combien, dans leur complexe, là, on paye l'appartement chaque mois. Mais... Donc, on va mettre tout ça sur le métal. OK. Toujours. C'est là où elle est. Elle a fait le live. On a vu le nom de la société. On saura combien on paye. Mais quand elle Mais quand elle est un agent de sécurité dans cette société. Pourquoi être posé sur le métal? On va l'attaquer physiquement, non. Mais on va l'utiliser. Toute la famille, vous-même, vous voyez comme moi ce qui se passe en ce moment entre Madokas et son général Thérèse Tchamalo. J'ai prévenu Madokas ici. J'ai tout fait pour lui dire que la personne que tu fabriques là, c'est la même personne là qui va venir t'étaler sur les réseaux sociaux. C'est la même personne qui va chercher à te détruire. On est où aujourd'hui, n'est-ce pas? Il disait que oh, elle maîtrise les réseaux sociaux. Voilà, alors quand vous écoutez, en fait, la dame qui a fait des révélations, c'est Thérèse Tchamalo, comme quoi elle est le mari de Madokas. Ils ont eu une relation jusqu'ils ont fait des enfants. En fait, là-bas, vous sentez en fait que cette dame manque. Pourquoi? Parce que dans tous les sens, tu n'as pas dit qu'une femme comme elle, elle a dit qu'elle vit au state, mais elle ne sait pas s'exprimer en anglais. Ça ne se dit pas. Oui, si quelqu'un me dit encore que oui, peut-être la personne vit peut-être en Allemagne, peut-être la personne peut-être ne sait pas peut-être s'exprimer en anglais, encore ça se comprend, oui. Mais tu vis aux États-Unis, mais tu ne sais pas t'exprimer en anglais. Là-bas, non, il y a un bon mensonge à l'intérieur.